Nous quittons Lanzarote en direction de Fuerteventura où nous allons faire un mouillage pendant quelques jours à Cala de las Playas. Situé au sud-est de Fuerteventura, le cadre est vraiment idyllique. Pas facile de rester au mouillage à Fuerteventura. L'ancre n'accroche pas beaucoup avec ces fonds volcaniques. Nous allons devoir partir. On quitte Fuerteventura. L'île du vent, ça souffle. Ça souffle tout le temps. Et on se bat vers Gran Canaria, qui est tout par là. Voilà, avec les copains bateau, des filas, Pierre et Florence. Et puis, le cœur. Coucou. Voilà, voilà. Et bien, à demain.
par la chambre pour Louane. Louane, ma fille, vient nous retrouver pour quelques jours. On en profite pour louer une voiture pour aller se balader ensemble. Caldeira des Bandama. De son point de vue à son sommet jusqu'à son cratère que nous allons descendre avec les copains bateaux, au milieu des cactus, des orangers et des eucalyptus. Nous avons vraiment apprécié cette balade que nous avons fait deux fois, donc une deuxième fois avec Louane, où enfin nous avons pu voir les petits lézards. Enfin petits, pas si petits que ça. On en prend vraiment plein les yeux. Il y a tellement de paysages incroyables.
Mas Palomas, située au sud de Gran Canaria, ses dunes s'étendent sur près de 400 hectares et longent la côte sur plusieurs kilomètres. C'est une réserve naturelle protégée que nous avons pris grand plaisir à visiter.